Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On est devant les récompenses rang 3. On a terminé FUT Champions sur PS4, sur le compte secondaire en CS4. Ça a été une bataille affreuse, hein. Vraiment, je l'ai trouvé largement plus dur que sur le compte, enfin, que la semaine dernière pour la TOTS Premier League. On a 3 choix, 84+, 2 choix, 1 joueur sur 4. J'arrive même plus à parler, je suis tétanisé du FUT Champion. 3 joueurs TOTS Bundesliga, 2 packs à 50 000, un pack ultime, 75 000 crédits. Ça fait plaisir. Avant qu'on ouvre ça, je vais vite fait vous montrer l'équipe. Du coup, on a 400 000 crédits. Encore une fois, je pense qu'on va économiser tous les crédits pour la TOTS Ligue 1. Et là, on mettra tout dans les renforts, etc. Voici ce que donne l'équipe. Alors, pourquoi R9 a plus que 14 matchs? J'ai une petite théorie. Ma petite sœur fait du clash équipe sur mon compte en cachette et elle a voulu tester le joueur. Voilà, je l'ai absolument pas joué en FUT Champion parce que j'ai quand même un tout petit peu de dignité. L'équipe, encore une fois, qui n'a pas vraiment changé avec celle de la semaine dernière. Il faut vraiment qu'on change l'attaquant droit. Ito à droite, c'est un peu relou. 85 de finition, 80 de puissance de tir, j'avais pas vu. Effectivement, c'est un peu compliqué. Rashford, qui encore une fois a fait un taf de fou, hein. 71 matchs, 95 buts, 47 passes D. Harry Kane, qui est trop fort, hein. Vraiment, Harry Kane, c'est quelqu'un. Mbappé, POTM, il n'est pas dépassé, mais voilà. On sent que c'est pas non plus le meilleur joueur de l'équipe. La défense, on a gardé Saliba et De Sailly. On faisait rentrer, comme d'hab, du beau petit monde. Ruben Dias, je l'ai joué au début, puis après, je l'ai lâché. On va ouvrir ses récompenses, et je le redis encore une fois, j'ai eu l'impression que ce FUT Champions était largement plus dur que celui de la TOTS Communauté et celui de la TOTS Premier League. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait une grosse hype pour les deux premières TOTS. Voilà, la TOTS Communauté, c'est l'arrivée de la TOTS. Et la TOTS Premier League, c'est en général la TOTS la plus convoitée. Et là, la TOTS Bundesliga, je pense qu'elle intéressait peu de monde au début, mais vu l'équipe qui était quand même assez dingue, voilà, c'était assez très rare. Bref, c'est parti. On va pas faire tech stat. Je veux tout regarder. On commence avec le choix 84. Je pense qu'on va prendre 10 balles en doublon. D'ailleurs, on ira faire aussi le pack icône sur ce compte-là. On est reparti. Deuxième choix 84. Ok, Ter Stegen, il y a quand même beaucoup de régulaires, hein. Ça a l'air d'être assez dur d'avoir un TOTS là-dedans. Le troisième choix. Il n'y a pas de bleu. C'est Rodri. On attaque maintenant les deux choix Bundesliga. On a eu Kobel 92, Leroy Sané, Schlotterbeck et le Maxence Lacroix sur le compte principal. C'était affreux. J'espère que là, ça va porter ses fruits. Frimpong 92. C'est pas mal. 99 de vitesse. Ça partait mal. Je vais regarder son prix, mais c'est pas mal. Il vaut 244 000 crédits. En vrai, c'est une victoire. C'est pas non plus le meilleur, mais c'est pas mal. Déjà, c'est une meilleure carte rouge que mes récompenses du compte principal. Et le second choix, c'est moyen. Ouais, franchement, décevant. Décevant. Kobel, Fulcrook, Hoffman, c'est les plus mauvais. On va prendre Julian Brandt. Un petit peu déçu, encore une fois. Ça reste deux petites os Bundes. Plutôt sympa, j'espère que dans le pack TOTS, on aura quelque chose. Julian Brandt, il vaut 49 000 crédits. Donc c'est une petite défaite. On va aller vite faire recycler 10 balles dans le pack icône. C'est pas un choix, c'est un pack. Donc on ira l'ouvrir à la fin du pack opening. On va aller de la dernière équipe du pack icône. J'ai mis du coup 10 balles qui était en doublon. Ça nous fait un petit pack joueur rare mélangé. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de pack icône. Je pense que ça fait presque 2 mois. Renfort icône 80, 10+, Totti, Fut Birthday, Titan Trophée ou bien Prime. C'est vrai que c'est dommage, hein, parce que j'ai regardé quelques personnes qui ont ouvert ce pack. C'est pratiquement que les icônes Prime, mais bon, on verra bien. D'ailleurs, eSport ont rajouté la TOTS Saoudi. On peut avoir Cristiano Ronaldo TOTS. Malheureusement, pas dans le pack TOTS, uniquement dans les packs hors Bundesliga, j'ai envie de dire. Il y aura un pack TOTS garanti Saoudi dans l'SBC. Ça arrivera du coup mardi ou mercredi. On fera une petite vidéo dessus pour essayer d'obtenir Ronaldo, même si ça me paraît quand même très compliqué. Allez, pack joueur Electrum Prime, 4 en plus garanti. Ça fait longtemps que j'ai pas packé un TOTS d'ailleurs dans un pack normal. Ça serait bien que ça tombe. On attaque maintenant les deux packs à 50 000 et toujours pas de bleu. J'ai l'impression que ça tombe pas. On a une grosse animation vendable. C'est assez rare, français. Gardien, ça va être Mike Mignon 87 et je pense que je vais le vendre s'il est vendable. Second pack à 50 000. Est-ce qu'on peut avoir du bleu? Mais j'ai l'impression que depuis la TOTS Communauté ou peut-être depuis la TOTS PL, j'ai pas eu un TOTS dans un pack normal, en fait. C'est un peu compliqué. Le pack ultime pour finir ses récompenses FUT Champions. Ça ne veut pas. Ça se lève, évidemment. Mais ça ne veut pas. De Bruyne? Oh, c'est pas De Bruyne. Ça va être Thibaut Courtois, 90. Je vais le revendre aussi, hein. Voilà, ça fait des crédits, c'est des fodeurs. C'est pas mal. Avec Goulashy 85, on a 6 doublons. C'est du 83. Ok. Au moins, on aura rajouté pas mal de joueurs au club, c'est bien. Maintenant, on a les packs Bundesliga. C'est parti. Pack 8 joueurs Bundesliga vendables. C'est pas du bleu malheureusement, ça va se lever. Ça va être allemand, DC et Schulo 85, c'est bien. Deuxième pack joueur Bundes. D'ailleurs, ils arrivent ce soir, hein, les renforts Bundes. On verra si on en fera quelques-uns. Regardez, là j'en ai deux et y'a rien. On enchaîne avec le pack 3 joueurs 83+. Attention, toujours pas de bleu. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils se cachent peut-être. DC
Et 3,83, j'adore la vie. Il reste le pack 3 joueurs TOS Bundes et le pack icône. On va faire le pack icône, pas tech stats. On est sur le compte secondaire, donc on affronte tout. C'est une icône prime, ça m'a pas l'air ouf. Gullit. Oh non, c'est nul buteur. Kluivert 91, très grosse défaite. On aurait pu avoir Cruyff prime. Gullit prime aussi. Problème de Kluivert. J'ai déjà sa carte 93 sur le compte principal. Mais là, cette carte-là, je pense qu'elle vaut même pas 100 000. Hein. Et ouais, ah, c'est une grosse défaite. On a eu sûrement un des joueurs qui vaut le moins cher. Dommage, bon, ça va être un Fodders. De toute façon, on avait beaucoup de Fodders en trop au club, donc c'est pas très grave. Et maintenant, on attaque le pack le plus important parce qu'il est vendable, contrairement aux récompenses 14. Il nous faut une dinguerie. Allez, eSport, s'il vous plaît. C'est Mousiala. C'est une défaite. C'est une très très grande défaite, je vais skipper direct, hein. Je sais pas bah, qui ça peut cacher. Et ça aurait pu être Mousiala, hein. Je viens d'y penser là. Oh là 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 là, la défaite, la défaite. Ouais, on a eu presque le même, je pense qu'on va en tirer 150 000 crédits de ce pack là. C'est pas mal 150 000, mais voilà, on espère quand même un petit peu mieux, dommage. Encore une fois, les récompenses n'ont pas été à la hauteur. Petit saut intertemporel entre la fin de la vidéo et la vraie fin de la vidéo. J'ai décidé de remettre les crampons sur le compte secondaire. Pas du tout, je suis dans mon bureau et j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud d'ailleurs. Je vous ai préparé quelques packs parce que je pouvais pas vous laisser avec des récompenses Champions aussi mauvaises. J'ai du coup fait le 80x11 Bundesliga, le premier. On va en avoir un par jour jusqu'à jeudi. Et surtout, j'ai récupéré un 5 joueurs, enfin 5x84 des récompenses. Récompense quotidienne, il me reste encore deux récompenses quotidiennes, enfin deux SBC à faire pour avoir le 5 joueurs 85 et le pack TOTS. Et j'espère en tout cas choper un bon TOTS Bundesliga sur un de mes deux comptes, que ce soit le compte principal ou le compte secondaire, parce que là pour le moment le bilan est quand même très mitigé. Il nous reste encore pas mal de chances. D'ailleurs, j'ai pas fait la Coupe Bundesliga sur ce compte là, bah parce que j'ai rien. Voilà, faire la Coupe Bundes avec juste Frimpong Boost, enfin Frimpong TOTS, on va pas aller très loin, donc il faudrait que je chope un petit attaquant ou sinon je vais faire le SBC de Marco Reus et on ira faire la Coupe. Bah, QGR Bundesliga. Les gars, j'ai fait du coup juste un renfort. Dommage, ça peut pas tomber à chaque fois, évidemment. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez grind ou bossé les renforts. C'est vrai qu'à la Totis, on avait fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin, moi, perso, j'ai pas trop envie de le faire. Là, je trouve que les renforts sont pas très intéressants. Oh, un bleu. Ça va être... Oh. Hoffman. Bon, c'est un des moins bons. Mais ça reste un TOS Bundesliga. Enfin, j'obtiens un TOS dans les packs. On peut pas cracher dessus. C'est pas mal. Même moi, j'y croyais pas. Je m'attendais pas. Petit 90 de notes. Voilà, c'est un des moins bons. Mais ça fait plaisir. On envoie ça au club tranquillement. Mais du coup, ouais, je disais à propos des renforts, je pense qu'on taffera surtout les renforts pour la TOS Ligue 1. Et on mettra vraiment tous nos crédits. On essaiera d'en faire 150. On verra bien. Bref, le pack 5 joueurs 84. Là, par contre, il faut du bleu dans un des deux. Back to back TOS. Ça, c'est beau. Et ça, c'est. Ouais. C'est la TOS du coup Saoudi. Fouzer 89. Je pense qu'il partirait dans un SBC. Hein. Voilà. Je pense pas le jouer. Verratti. Ok, double animation. Combien il vaut? Ouais, c'est prix minimum. En vrai, c'est pas mal. Hein. Un petit TOS là-dedans. On est. Est-ce qu'on va enchaîner 3 TOS d'affilée? Ça m'étonnerait. Parce que c'est là-dedans, dans le 11 joueurs Bundesliga 80+, qu'il faut du bleu. Et là, on va peut-être rêver. On va peut-être rêver. Oh oui, Davis! Oui, la victoire, enfin! Enfin, on l'a eu! Oh oui, je suis content! Ah non, mais c'est bon, il n'y avait rien qui tombait! 3 TOS d'affilée! Ah oui, non, mais là, je dis oui! Et heureusement qu'on a fait ce petit pack opening de bon matin. Là, on dit ok, je vais vite faire regarder combien il vaut. Mais ça fait plaisir! Et Davis, c'est 380 000 crédits! Enfin, une victoire! C'est pas à la hauteur des victoires qu'on a obtenues durant la TOS Première Ligue, mais ça fait plaisir. Les gars, je n'avais rien obtenu. Je crois que mon meilleur joueur, c'était Schlotterbeck dans les packs. Enfin, dans Brand 93, on va dire. Et sinon, c'était, comment il s'appelle? Sinon, c'était Frimpong dans les rouges. Enfin, on obtient notre première victoire pour cette TOS Bundesliga. Et le pack est beau. Avec un 85 derrière, on ira recycler tout ça demain. De toute façon, il reste encore mardi, mercredi, jeudi. Donc, il nous reste encore potentiellement 3 81 x 11 Bundesliga. Donc, on se refera un dernier pack opening sur ce compte-là. Mais enfin, on sauve les meubles avec Davis. Et évidemment, ça fait très plaisir. Bref, le saut intertemporel est terminé. Et on revient maintenant dans le présent. Bilan de ce pack opening. On est à 600 000 crédits. On a récupéré pas mal de crédits. Que ce soit en vendant les TOTS, en vendant les joueurs qu'on a récupérés. Ça vaut pas très cher. Hein. Il y a tellement de Fodders de partout. 86, ça
8300. C'est pas grand chose, mais regardez là, le pack TOTS, on a récupéré en gros même pas 140 000 crédits, donc c'est pas énorme. Il y avait quand même les 75 000 crédits des récompenses, et puis voilà, c'est pas mal. On est à 587 000 crédits en tout. Donc encore une fois, si je peux avoir 1 million de crédits sur les deux comptes avant la TOTS Ligue 1, pour essayer d'avoir Mbappé TOTS, on peut s'amuser. Au niveau du résumé des TOTS Bundes, eh ben, on aura eu en tout Kobel, Brandt et Frimpong. Frimpong, je pense que c'est la seule victoire, mais il est très compliqué à placer. Voilà, on aurait eu un petit Diaby du Bayer Leverkusen, mais là, si j'ai pas de joueur de Bundes, j'ai pas vraiment pouvoir les placer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était RG, et ciao ciao tout le monde. All I need is you.